c'est Miss Nemo. On se retrouve dans l'épisode 7 du DLC de Dishonored. On ira au manoir du tonton pour aller le tuer. Ne vous en faites pas. Je regarde juste un peu tout ce qu'il y a. Chiffonnette d'un disciple. Celle-ci était enseignante. Elle parlait aux enfants de l'homme aux yeux noirs qu'elle voyait dans ses rêves. Personne ne le savait, mais un jour, l'un des enfants est entré en transe et s'est mis à crier son nom. Puis, les superviseurs sont venus. Oh, donc elle voyait l'outsider. Oh, c'est horrible, mais je trouve les pieds sont super bien faits. Ils sont pas... Enfin, il y a très peu de polygones, mais ils sont super bien faits. Celle-ci travaillait si dur qu'elle s'est cassé les deux mains. Devenue inutile, ils l'ont jetée dehors. Sa mère s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'elle meure. Quoi ? Ah, celui-ci, j'ai... Okay. Jusqu'à ce qu'elle meure. Il est ensuite venu à mendier, puis il est mort. Mais c'est horrible. Celui-ci aimait tailler le bois et avait sculpté une petite baleine à laquelle il parlait et qu'il emportait toujours dans sa poche. Elle connaissait tous ses secrets comme moi. Mais s'il y avait ça, je comprends pas. Celui-ci était père. Il a engendré 6 de 3 mères différentes. Il en a engendré... Ah oui, ok. Il en a noyé un, mais ce n'était pas sa faute. Le grand-père de l'enfant n'a pas accepté cette version des faits lorsqu'il a découvert ce qui s'était produit. Oh là là, mais c'est grave la bonne ambiance ici, dis donc. Je l'ai vu, hein, ça en fait pas, mais... Mon dieu, je... Ah, donc voilà, j'ai soit le tuer, soit faire ça, ok. Celui-ci est né dans une famille fortunée. Il vivait à la campagne, car c'était le seul endroit où il pouvait voir les étoiles la nuit. N'ayant jamais reçu d'éducation, il ne savait pas ce qu'elles étaient. Il leur offrait ses prières. Ok. C'est joyeux, hein. Ouais. Je veux juste désactiver le truc des huiles, là, parce que ça m'énerve vachement, ça. Voilà, enlève-moi ça. Ah ok, je la voyais faire du zou, genre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh! Je me demandais, il sent quelque chose? La chair morte? Les fleurs sauvages? Il vous pose des questions? Qu'est-ce qu'il attend pour me parler? Ah, tu l'as jamais vu. Ah, c'est bon à savoir, se dire qu'elle est pas si privilégiée que ça en fait. Pas autant une que nous. Une dernière leçon, en souvenir du passé. Mm-hmm. Timsh excellait dans l'art d'identifier les faiblesses de l'ennemi, mais il n'a pas su cerner Delilah avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne la surveille à présent, à part toi, et moi bien sûr. Je vois en tout lieu. Je vois en tout temps. Et aujourd'hui, je vois un homme qui marche sur un fil au-dessus d'une mer de sang et d'immondices. L'impératrice est morte et le niveau monte. Ainsi, Roswild est tassé dans une caisse en partance pour le Grand Nord. Un choix étonnant pour un homme avec tant de sang sur les mains. L'impératrice t'a-t-elle changé? Ou espères-tu échapper au sort qui t'attend? Dépêche-toi, tu n'as plus beaucoup de filles. Vous étiez avec lui, j'espère que c'était instructif. Oui. Je me demande en fait si quand il donne les pouvoirs aux gens... Alors si ça se trouve il le disait au début du jeu originel, mais je ne m'en souviens absolument pas. S'il n'y a pas un contrat un peu comme dans Death Note, vous savez, vous avez l'autorisation d'utiliser les pouvoirs... Mais vous avez... Oh! Vous avez la contrepartie de... je sais pas... Allez, ok.
Mais non, j'ai pas besoin d'aller là. Mais ah d'accord, c'est pour se ressortir. S'il n'y a pas une contrepartie, voilà, genre on va en enfer ou dans son monde bizarre où on s'exerce avec les pouvoirs, ce genre de choses. Je sais pas. Quelque part, ça me paraît très logique. Et puis, en sachant que Corvo, oulala, je fais ça un peu à la va-vite là. En sachant que Corbeau, finalement, bah moi je l'ai joué qu'il ne tue pas les gens, donc même s'il a utilisé les pouvoirs, est-ce que justement il n'aurait pas. Il ne serait pas gracié. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais non, mais pourquoi t'as bougé? Oh. C'est vrai, j'étais en train de me dire, oh, troisième étage, oh, ça va, je vais pouvoir le tuer vite. Mais non, mais oui, forcément, il va y avoir des gardes. C'est évident. Hein? J'entends des trucs, là. Ouais, j'entends des trucs. Oh, il y a ça, là-bas, j'ai envie d'aller voir. Mais c'était pas ça, la salle d'art, soi-disant super secrète? J'ai l'impression qu'on trouve beaucoup de runes, alors j'ai l'impression d'être très douée, mais c'est bizarre. Poème de Delila. Ah, quand la petite Émilie s'éveilla un matin aussitôt, le monde lui apparut sous un jour nouveau. Ses yeux brillaient de la ruse d'un autre, sa délicate bouche se fendait d'un sourire d'un autre. Ses mains étaient nues par la colère d'un autre, ses pieds foulaient la vie d'un autre. Chacun de ses repas donnait des forces à cet étranger, dont les désirs et les besoins l'aimaient. Et pas un de ceux qui voyaient Émilie agir ne devina jamais qui régnait à sa place sur l'Empire. Oh, parler de Corvo. C'est plutôt joliment dit, je trouve. C'est... Ok, oh. Oh. Il est vachement doué. Qui êtes-vous ? Je comprends votre curiosité. Je suis étrange. Je n'étais que l'apprenti du boulanger à Dunwall Tower. Une amie de Jessamine quand nous étions enfants. Ensuite, je me suis fait un nom en tant qu'artiste. Aujourd'hui, je suis bien plus que cela. J'espère que vous êtes satisfait. Vous ne saurez rien de plus. Je devrais vous tuer. Mais au nom de l'admiration que vous portez mes sœurs autrefois, je me contenterai de vous donner un avertissement. Ne me gênez pas. De grands changements vont s'opérer. Et vous ne devez pas vous y opposer. J'ai bien plus d'influence que vous ne l'imaginez. En ce qui concerne Timsh, il ne me sert plus. Faites comme bon vous semble. Ça m'est égal. C'est donc elle que vous cherchiez ? Ah, c'est une vraie vipère. Et elle n'a aucun talent. Enfin, c'est vous que ça regarde. Dis donc, tu serais pas un petit peu jalouse, toi? Hein? Non mais... Oh merde. Je me disais non, je me doute. Oh. Ils ont mal... Ils ont mal calibré le truc. Je sais pas s'ils vont venir dans la pièce ou pas, c'est pour ça que j'attends là. Oui, je me doute que tu es spécial, sachant que tu parles à travers une statue. Je me demande ce qu'il disait qu'elle n'avait aucun talent. Est-ce qu'elle se serait fait connaître par. Grâce à ses pouvoirs magiques finalement? Je sais pas. Elle aurait fait en sorte que... Oh, mais il est juste là, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, comme j'étais avec l'arbalète plutôt que de lui foutre un coup de couteau.
Ça lui a mis la fléchette directe dans le... Oh, c'est... Oh, merde. C'est pas mal, ça. Non, je peux pas dire que j'aime. Bon, j'aime bien parce qu'ils sont pas très malins. Ils voient des taches de sang par terre, mais... Non, sûrement quelqu'un qui a éternué, c'est rien. Du coup, je vais reprendre celui qui est là, parce que si l'autre il l'a vu, peut-être qu'ils sont plusieurs en fait à voyager sur le balcon. Je pensais pas qu'ils... Ça me dit quelque chose, ça doit être la musique de Dishonored, mais je sais pas, ça me... Bon, du coup on va voir les objectifs. De toute façon je vais faire toute la maison, mais position de la chambre. Ok. Placement du testament. Merci d'être venu, mais une minute, qui sait ? J'ai pas fait exprès. C'est vous ou moi ? Écartez-vous ! Non. Laisse-moi passer. T'es où ? Voilà. Je... Oh, j'ai pas sauvegardé, je suis trop débile. Voilà ce, que ça, ce qui se passe. Il allait dire un truc et du coup j'ai pas écouté en fait. Mais où êtes-vous ? Oh, je vais vous trouver. Et j'espérais en fait qu'ils disent quelque chose. Je sais que vous êtes là. J'entende les informations ou pas et... Oh zut. Oh. Mais t'es trop fort, toi. Bon. Ah oui, c'est vrai, je pouvais faire le truc non létal. Oh zut, ça me donnait quoi le truc non létal en fait? Ah bah oui, mais je vois plus en fait du coup maintenant. Je peux pas revenir voir ce que j'avais fait. Ah, alt, affiche l'historique. Voilà, échanger le document dans la bourse. Bon, c'est pas trop grave, écoutez. Hein. C'était un pourri de toute façon, donc voilà. Par contre, j'ai eu plein de choses. Il va y avoir tellement de corps ici. J'espère que la femme de chambre s'est barrée parce que... J'ai même compris pourquoi on pouvait faire tourner ça. Oh! Ouais, ça aussi c'est dans l'artbook. Oh, c'est super joli. Qui c'est qui l'a fait? Des lilas. Ah, mais c'est elle qui l'a peint alors. Donc en fait, non. Elle est pas si nulle, elle sait peindre. Mère, c'est Arnold. Et si vous vous réveillez sans personne à vos côtés, ce compte-rendu des récents événements devrait dissiper votre confusion et vous apaiser. L'épidémie de peste est terminée. Je me suis marié. Et suis en passe de devenir premier ministre, comme vous l'avez toujours voulu. Bon. Oups. Par conscience professionnelle, je crains de pouvoir continuer à traiter votre mère en refusant obstinément de lui prodiguer des soins qui pourraient potentiellement lui rendre sa lucidité. Vous la condamnez à mort, c'est une attitude que je ne peux cautionner. Au revoir, monsieur. Ok. Mon frère et ma sœur sont ici, ils vont bien. Votre testament et vos dernières volontés ont été rédigées et approuvées.
Nous vous aimons, mère. Maintenant, reposez-vous. Tout va bien. Ah ouais, je vois. Fait genre, oh, je t'aime, juste pour avoir l'héritage. Je pensais pas qu'il était aussi... Bon, je me balade comme ça, mais je me doute qu'il doit y avoir encore des gardes, mais bon. Dommage que je puisse pas ouvrir les armoires. Oh. J'ai vu un truc bouger. Mais je sais pas où c'était. Bon, ça doit pas être important. Le régent a fait passer à 10 000 pièces la récompense offerte pour toute information conduisant à la découverte de l'héritière de Don Juan. 10 000 pièces d'or, bah dis donc. J'aime pas quand il y a des... La musique comme ça, quand on s'emballe, ça me dit rien qui va et qu'est-ce qui se passe? Oh! Ils étaient riches, ils avaient la salle de bain séparée des toilettes. C'est horrible parce que ça me fait penser au passage dans Sif où on est dans l'asile, parce que là c'est pareil, ça fait un peu maison fantôme quoi. Il y a plus personne. C'est pas très chaleureux quoi. C'est affreux, vous ne trouvez pas? Merde. Mais il a lui-même fait bien pire. Nous le savons tous. Vous allez vraiment arrêter celui qui a fait ça? Après les Pendleton et le grand superviseur, difficile de faire autrement. Si on le laisse agir impunément, il les tuera tous, tous les grands de cette ville. Bien sûr. Mais nous, qu'allons-nous devenir? Pourquoi s'embêter avec un truc de ce genre? C'est un lait. C'est bien parce qu'elle, j'ai pas envie de la tuer. Des quoi? Oh, s'il vous plaît. Et pourquoi je... Ah, allez. Whisky à volonté, s'il vous plaît. Mais comment il fait pour esquiver tout ça, lui? Elle est partie où la femme? Ouais, j'y vais. Je crois qu'il l'a butée. Pardon. Tu veux pas t'en aller? Hein? Bon, écoutez, hein. Gad. Bon, je voulais la mettre sur le fauteuil, hein, celle qui a pas voulu, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça dans le doute. Alors, Scott, cette alarme dans mon bureau est-elle vraiment nécessaire? C'est une horreur, les couleurs jurent et le câble marque le parquet. Vu la manière dont elle est fixée au sol, je suis prête à parier que j'en aurai pour plusieurs milliers en réparation. Il y avait une alarme dans le bureau. Ah oui, le monde charge, c'est vrai, j'avais oublié. Ah mais c'est ça son alarme, en fait. Ah non, oui, d'accord. Oh bah finalement ils ont pas eu le temps de le... Bénédicte, j'ai besoin de connaître vos plans concernant la société Danforth. Ils n'ont qu'un mois de retard et jusqu'ici, ils ont... Timch ne s'est pas nommé bénéficiaire du testament. Il cède tout l'héritage à Delilah. Des liens avec les Boyle. Et comme vous le savez, ces derniers sont sur la liste des intouchables. Il y a des limites à ne pas dépasser.
Je crains que vous ne deviez régler vos comptes avec eux autrement. D'accord, je me demande en fait si Delilah l'a vraiment pas charmé, enfin tout ce que vous voulez, ensorcelé, machin et tout. Parce qu'avec de l'argent, si en plus elle a la magie et tout, bah potentiellement elle fait un peu ce qu'elle veut. Alors je sais pas quel est son but, mais je me doute que ça doit pas être super cool. Je vais sauvegarder, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas sauvegardé, mais beaucoup trop. Moi je passe comme ça, l'air de rien, mais Je croyais pourtant avoir demandé un cognac. Ça doit bien faire une heure. L'horloge ne marche plus. Tout s'écroule ici et la qualité du service. Personne n'est à l'abri dans cette ville. Si on veut survivre ici, il y a une chose dont il faut toujours se souvenir. L'humilité. On peut tous partir n'importe quand, alors autant en profiter. Et frapper quand l'ennemi est à terre. Ça va sans dire. Bien dit, très cher. Les gens sont d'un mauvais goût. C'est vrai, je suis entré à l'étage. Je voulais aller au... C'est sûrement cher. Au sous-sol, mais ça va être chaud, en fait, il y a tellement de gardes. Oh, j'ai envie de faire un truc. Je vais essayer, mais je garantis rien, quoi. Je trouve qu'il fait plutôt bien le ménage, hein, franchement. Si tu le vois, tu cries. On sait que vous êtes là. Oh, le rouge. Oh, j'ai raté, je crois. Oh, voilà. Quand vous aurez trouvé, ça va mal aller. Est-ce que je peux me cacher là, par hasard? Soit vous êtes, on va vous avoir. Ils sont trop cons. Je sais que vous êtes là. Aide-moi à le trouver. Ah, j'ai envie de buter le rouge. Je sais pas ce qu'il a, mais je suis sûr qu'il donne plein d'argent. Non, je sais que vous êtes là. Ah oui, je l'ai eu. Si tu le vois, tu crois. Quelqu'un est mort. Pardon, c'est super malsain, je le sais, mais je trouve ça trop drôle. Oh, quelqu'un est mort, le gars il se retourne, il y a trois morts, il s'y passe. Ça fait trop alien et tout. Il est malin, regarde partout. Je suis désolé, c'est beaucoup trop malsain, je sais que ça se fait pas. J'aime beaucoup. J'ai raté. Il bouge trop, les yeux, il pourrait revenir. Non, il va me voir. Je sais que vous êtes dans le coin. Parce que qu'est-ce que j'ai comme truc marron? Anesthésiante, ouais, mais non, c'est pas drôle, l'anesthésiant. Ah, oui, grenade. Oh, j'aurais pu utiliser les grenades, remarque. Ah, mais non, c'est incapacitante. Le pistolet. Non, mais j'aime bien l'arbalète, j'aime bien l'arbalète. Je sais que vous êtes là. Viens. Je me suis trompé. C'était absolument pas ça que je voulais faire. On va vous trouver. On va vous avoir, les gens.
Et vous trouvez ? Allez, voilà. Allez, fumier. Surveille-le. Permis. Maître Dode. Bah, ils étaient deux. Il y en a un qui est... Ah, mais les cadavres disparaissent. Alors, je sais pas quelle différence entre les rouges et les bleus. J'imagine que c'est des plus gradés. Ils ont de la moustache. Et il avait pas de nom. Général Turnbull. Ah si. Oh, mais c'est un vrai massacre, quoi. Je suis désolée, c'est pas bien, je sais, mais c'est Dode, hein, c'est pas Corvo, hein, rappelez-le. C'est... Enfin, rappelez-vous-en. Ce n'est pas... Oh. Ce n'est pas le même homme. Ce n'est pas la même personnalité, voyez-vous. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, là. Oh. Tu es où ? 8 mètres, ok. Je fouille un peu tout. Hein. Je sais pas si elle est... Ah si, elle doit être là-dedans, forcément. Voilà. Et 6 sur 7, hein. Mais a presque tout eu. Ah. À quand va-t-on enfin avoir une secrétaire ? Je ne retrouve jamais les documents archivés par J et S n'arrive jamais à... Par J et S n'arrive jamais à rien. Ce bureau est en train de devenir une telle porcherie qu'une truie n'y retrouverait pas ses petits. Ok. Je comprends que... Alors, note à Germain. Je comprends que vous vous préoccupiez de la sécurité, mais j'ai plus confiance en une clé accrochée à ma ceinture qu'en un verrou à combinaison. N'importe qui pourrait deviner la combinaison ou la découvrir par des moyens détournés. Alors qu'avec qu'un simple verrou traditionnel, mes archives n'ont rien à craindre. Et le crochetage, un mythe, je n'ai jamais vu personne faire une chose pareille, et vous ? Bah... voilà, quoi... Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Enfin, il est où plutôt ? Il est en bas. Ok. Bon, bah écoutez, hein, je me balade, hein, je fais comme chez moi. Ah, là c'est pour le sous-sol. Ok. Bah, on va continuer, hein, on va voir ce qu'il y a. Recherche maison à vendre, non ? C'est ça ? Voilà. Je visite, je regarde ce qui va pas et tout. Alors, note d'un avocat. Je te conseille de consulter des affaires d'incendie criminel du même genre. Je doute que ton client ait des chances, mais si tu parviens à enfouir le problème sous un amas d'histoires sordides, le jury pourrait bien voter avec son cœur, plutôt qu'avec sa tête. C'est sûrement la stratégie que Timsh emploierait. J'ai l'impression qu'en tuant les gens, j'ai moins d'infos, on va dire, peut-être. Sur tout ce qui se passe. Ah, c'est moi qui ai fait... Oh, je peux faire tomber les trucs. C'est bon, ça, je savais pas. Alors, c'est peut-être moi, c'est peut-être qu'une impression, mais... Piocher une carte de tarot au hasard, quoi ? Attends, je sais pas ce qui va se passer, mais dans le doute, ça veut dire que je vais mourir. Bah non. Vous avez pioché le 10 de crâne. Le 5 d'épée. On dirait un jeu espagnol en plus. Vous avez pioché la reine des rats. 4 d'épée. Je peux aller jusqu'à où là ?
Valet de crâne. Vous avez pioché la mort. Ah bah ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Vous avez pioché... Non mais je vais faire tout le paquet en fait. Ouais, c'est bon, c'est fini, je reviens sur la même carte. J'ai absolument pas compris pourquoi. Peut-être qu'après... Parole d'une chanson de Morley. D'accord, j'ai absolument pas compris... Y a pas un livre pour m'expliquer genre ce que ça veut dire. Peut-être que si je vais la voir en fait, Delilah, là, je suis en train de me dire... Qui me dira, ah, tu as pioché ça et ça, ça voulait dire que. Parce que si on part du principe que mon histoire c'est avec Corvo, finalement je le tue pas. Donc il va mourir un jour, mais du moins pas de la part de Corvo. En tout cas, c'est marrant d'avoir rajouté un petit truc comme ça, c'est étonnant. En tout cas, je vois qu'on est à 30 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je fouillerai le sous-sol dans le prochain. Hein. Bon, il y aura eu beaucoup, beaucoup de massacres dans cet épisode. Avec beaucoup trop de réjouissance, je vous l'accorde, mais bon. bon bah, sur ce, je vous dis à plus dans un prochain épisode.